Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-Yachting, un Éco-Yachting en direct depuis la salle du conseil du Yacht Club de Monaco, endroit extraordinaire comme vous pouvez le découvrir avec moi. Je vous propose de rencontrer Claudia Battiani qui est en charge responsable du projet Monaco Advanced Yachting. Bonjour Claudia. Bonjour Nicolas. Alors Claudia, vous portez un magnifique projet hein, au sein du Yacht Club, c'est Monaco Capital of Advanced Yachting. En quelques mots, on peut dire que Monaco s'impose comme la capitale d'un yachting plus, d'un yachting de demain. Et je souhaitais que vous expliquiez à nos viewers ce que signifie pour vous Advanced Yachting et tout ce que vous avez mis en place à Monaco pour imaginer en fait le yachting de demain. Alors disons qu'il faut commencer par le début. Il y a 10 ans, 2012, le Yacht Club lance cette initiative, Monaco, capitale du yachting. Effectivement, c'est une petite principauté de 2 km². Oui, c'est pas évident, parce que 2 km² pour le yachting. Mais qu'est-ce qu'ils sont pétillants, ces 2 km². Ouais. 252 quand même sociétés basées à Monaco qui de près ou de loin touchent cette industrie. Plus de 1560 employés sur Terre, donc pas compter les équipages aussi, et presque 750 millions de chiffres d'affaires par an. Donc stratégique pour Monaco, en fait, complètement, cette activité. Complètement. Non seulement, effectivement, pour un côté économique, mais aussi touristique. Et donc voilà, 2012, on annonce que Monaco est la capitale du yachting. Et quand on annonce une chose aussi forte, eh bien, il faut montrer après exactement. Et mettre la barre. Exactement. Donc à partir de là, plusieurs actions vont prendre forme, comme par exemple l'année d'après, la création de cet événement incroyable qui prend lieu toutes les années au mois de juillet et qui pendant une semaine accueille des universités qui viennent du monde entier, des équipages, des jeunes techniciens qui viennent montrer à cet événement qui s'appelle Monaco Energy Boat Challenge un prototype. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que c'est des savants fous. C'est ça. Avec des choses inouïes. Mais ces choses inouïes, ce n'est pas que des prototypes, parce que derrière, ça se transforme. Ça marche. Ça marche. Et ça marche tellement bien. Et alors, ils viennent évidemment avec leurs professeurs et leurs mentors. Et ça marche tellement bien qu'un des jours de la semaine est dédié à ce qu'on appelle un job forum, c'est-à-dire qu'on les fait rencontrer à des industriels, des promoteurs, même des mercenaires qui aiment bien essayer de leur donner une chance. Eh bien, il y a déjà 3 projets qui ont vu le jour et qui aujourd'hui sont réels. Imaginez des jeunes de 24 ans qui viennent et que ça devient réalité. Ça se transforme en fait, la recherche se transforme en recherche applicative et ensuite en solution de motorisation de demain. C'est exactement ça. Et par exemple, à partir de là, eh bien, le Yacht Club aussi s'est rendu compte qu'à un moment, tous les yachts que nous on accueillait sur cette magnifique marina, eh bien, il fallait quand même leur donner une notation. Il fallait quand même un minimum faire comprendre aux propriétaires mais aussi aux équipages quelle était leur empreinte carbone. Ça, et quand même, Claudia, là, c'est un petit peu... c'est challenge quand même. C'est challenge. C'est challenge, mais on l'a fait. Et donc, a vu le jour, il y a 2 ans, la Sea Index, qui est donc Super Yacht Eco Association Index. Pourquoi? Parce qu'on va, selon une formule mathématique qui existe et qui est en plus validée par Lloyd Register, en Angleterre, donc c'est quand même quelque chose de poids, on va donner une notation de l'empreinte carbone. Et pour faire simple, un peu sur le système de classification des frigidaires rouges, oranges, jaunes et verts, eh bien on va dire, voilà, le bateau va être plutôt dans le vert, plutôt dans l'orange. Ce qui était quand même un indicateur important, puisqu'il y a des propriétaires qui, après quelques années d'utilisation, doivent faire ce que l'on appelle un refit, donc le remettre un peu. Et grâce à cette indication, peuvent faire des changements pour améliorer cette notation. Des nouvelles motorisations. Exactement. L'implantation de panneaux solaires. Mais complètement. Il y a eu des refits qui ont vu l'introduction, par exemple, de piles électriques et qui ont permis au bateau de devenir hybride. Donc, classification bien meilleure. Ouais, donc là, c'est vous donner un outil, vous avez imaginé un outil qui permet d'être proactif. Oui, et surtout de donner vraiment un sens, parce que les gens sont factuels. Hein, parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Mais pouvoir montrer que par des petites choses, même des comportements, ça quand même. Parce que j'imagine qu'un assureur, quand il voit un bateau qui a un bon index carbone, si l'assureur lui-même est impliqué dans cette démarche de...
de transition énergétique, il faut quand même qu'il fasse un effort. C'est ce qui est arrivé. Ah. Parce que grâce au projet donc, évidemment, dont je suis responsable, Monaco Capital of Advanced Yachting, j'ai créé une plateforme ces derniers mois d'ambassadeurs. J'ai besoin d'ambassadeurs, évidemment. Mmh. Et donc, j'ai créé une charte d'engagement qui est un document vivant, évidemment, qui recueille des valeurs qu'on aime bien partager. Et donc, tous ceux qui ont signé cette charte d'engagement se sont engagés à leur niveau et par leur expertise à nous aider dans cette voie. Et vous parliez des assureurs. Nous avons un signataire d'une grande compagnie d'assurance ici à Monaco qui dit « Le bateau qui a une bonne notification grâce au CIENDEX, eh bien nous, pour donner un incentive et le remercier quelque part de cet effort, eh bien nous, on va faire un rabais sur notre contrat d'assurance. Ben, » j'imagine qu'en plus, sur l'assurance d'un super yacht, le rabais, c'est pas rien. Je peux vous dire. Et nous, en tant que yacht club, à ces bateaux bon élèves, on va dire, eh bien, on va faire aussi des rabais pour pouvoir séjourner chez nous. Ah oui. Absolument. Gagnant-gagnant, en gagnant, fait. Gagnant-gagnant. Alors, autre démarche qui va dans ce sens. La formation, je pense. La formation parce qu'il est tellement plus simple de changer la technologie peut-être, mais tellement plus compliqué de changer la mentalité des gens. Et oui, parce que quand même dans l'univers du yachting, il y a quand même certains réflexes qui aujourd'hui sont ceux d'hier quelque part. Oui, surtout parce que les gens prennent souvent tout ce côté environnemental comme, disons, une pierre, hein, un boulet au pied, le prennent comme une punition, le prennent comme une limitation à leurs aises. Et en fait, non. Alors il faut juste comprendre, mais complètement, il faut juste comprendre comment faire. Et donc, nous avons à l'intérieur donc, de Yacht Club ce que l'on appelle la Belle Classe Academy et qui est donc une classe vraiment avec des professionnels qui viennent enseigner. Et nous donnons l'opportunité d'apprendre sur différents modules, du simple permis de conduire, évidemment, nautique, mais aussi sur les bonnes pratiques environnementales. Et donc, propriétaires, parce qu'il y a des propriétaires qui sont intéressés, capitaines, équipage, mais aussi des jeunes qui veulent se lancer dans ce monde du yachting, viennent apprendre les bonnes pratiques. Tout de suite. Tout de suite, et ça, c'est formidable. Et alors ça, c'est perçu comment, notamment par les propriétaires? Je pense que c'est très bien perçu et ce qui est, je trouve ça formidable, en parlant avec un designer, un important designer norvégien de yacht, il me disait, des fois, j'ai les petits-enfants des propriétaires qui me demandent de faire un bateau, qui eux font la remarque et disent, grand-père, mais tu ne peux pas faire un bateau comme ça avec tout l'air conditionné, tu vas polluer notre planète. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est vrai qu'on est poussé par les jeunes générations. Complètement, complètement. Et effectivement, il y a une prise de conscience. Donc, si tout le monde, n'est-ce pas, on peut faire quelque chose, je crois qu'on va aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est aussi de mieux cartographier l'univers marin qui est nôtre. Parce que finalement, quand on y réfléchit, on va sur Mars, on cartographie Mars. Mais on ne connaît pas. On n'a même pas cartographié les océans de la planète. Nicolas, vraiment, vous êtes en train de le dire et c'est quelque chose qui m'a vraiment tellement étonné. J'ai pu faire, disons, créer une collaboration entre l'Organisation internationale de la cartographie, donc ici hydrographique de Monaco, qui a vu le jour depuis longtemps. Oui. Nous avons le prince Albert Ier, grand explorateur, qui a fait les premières vraiment cartes navales. Mais on s'est rendu compte en 2017, lors d'une réunion avec les Nations Unies, que le 6% seulement des fonds marins étaient connus. 6%. Donc on connaît Mars, comme vous le disiez, un peu plus, mais on ne connaît que le 6% de ce que représentent les océans qui couvrent quand même les 70% de notre planète. Et on ne sait même pas ce qu'il y a en dessous. Et non, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Ne serait-ce qu'au niveau de la faune aussi. Mais complètement. Et ça, c'est fondamental. Et donc, grâce à un projet de crowdsourcing et cette collaboration entre l'Organisation internationale hydrographique et le Yacht Club de Monaco qui a été signé, eh bien, par l'intermédiaire d'un data logger qui peut être inséré dans le système digital des yachts, eh bien, n'importe qui, même les propriétaires de super yachts, alors qu'ils vont avoir du plaisir en vacances en Sardaigne, en Croatie, en Grèce, eh bien, grâce à ce petit data logger, ils vont pouvoir envoyer à la centrale en Amérique qui recueille tous ces datas, eh bien, des routes qui permettent de connaître mieux les fonds marins. Et grâce à cette initiative, donc nous, Yacht Club, offrons ce data logger à nos membres pour les motiver. Grâce à cette initiative, de 2017 à aujourd'hui, en 5 ans, on est passé de 6%
à 23,4. C'est énorme. Et ça, c'est un signe fort que si vraiment, encore une fois, on se met tous ensemble, ça va être la formule gagnante. C'est vrai qu'en plus, un super yacht, c'est un bateau qui navigue beaucoup, hein, parce qu'entre les saisons, il traverse l'Atlantique, il va en Méditerranée, aux Caraïbes. Donc, c'est des bateaux où maintenant, au niveau des pôles, donc c'est des bateaux qui sont des bateaux de grands voyageurs. Qui vont partout. Et donc, en fait, ils sont sans doute les mieux à même de cartographier de façon passive l'océan. C'est ça. Donc, ils vont, sans faire d'efforts, disons-le, eh bien, ils vont apporter quelque chose d'important. À tout le monde. Est-ce qu'on peut dire, en conclusion, Claudia, que votre démarche au Yacht Club de Monaco, c'est une démarche à 360 degrés pour un yachting du futur, un advanced yachting. Un advanced yachting, absolument. On y croit fermement. On a ces ambassadeurs qui eux-mêmes vont porter le message, donc ces 60 signataires. Moi-même, je serai leur voix le mois prochain. Je serai à Fort Lauderdale au Yacht Show. J'amènerai notre expérience, nos exemples. On ne va rien apprendre. Nous ne sommes pas des professeurs. Mais on espère fortement inspirer et partager. Merci beaucoup, Claudia. Merci, Nicolas.